j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Néo, qu'est-ce qu'on fait? Le swap rentrée des classes. Ça y est, les amis. Comme chaque année. Heureusement, on est encore en vacances. Oui. Voilà. Et là, c'est juste pour nous préparer à la rentrée des classes. Exactement. Bon, voilà. En vrai, c'est sous forme de cadeau, donc moi, ça me va. Hein. Oui, voilà, c'est vrai. Soit, du coup, tu passes en CP? Toi, j'ai vu, je suis passé à la crèche, ouais. Ah ouais? C'est cool. Non, c'est mais c'est quand même la troisième fois que tu redoubles la crèche. Non, bon, c'est... Plus sérieusement, en fait, je pense que classe là. Passe en quatrième. Il a hésité quand même, hein. Et bah, moi, je passe en classe de youtubeur. Bah, j'ai fini l'école, moi, c'est bon là. Ouais. Bon, sur ce, Swan, est-ce que t'es chaud? Ouais. On commence par le numéro 1. En attendant, on met un pouce bleu, on s'abonne à la chaîne et on active la cloche. C'est parti. Oh, attends, mais il y a une carte. Évidemment qu'il y a une carte. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est des lapins. Oui, regarde, une école de lapins. Cadeau numéro 1 pour faire le plein d'énergie. Ouais. Moi, j'ai celui-là. Ok, c'est parti. Bon, bah, c'est parti, hein. Wow, c'est quoi? Oh, d'accord, c'est trop bien. C'est un cocotier. Attends, ça, oh ça, alors, attends. T'es sérieux là? Ça, c'est sûrement un cadeau que j'ai trouvé plus drôle. Alors, en vrai, je suis content, mais en même temps, je me sens insulté. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez comprendre. Donc, on a un coquetier Aladdin. Swan, il mange des œufs tous les matins, surtout en période scolaire. Donc là, ça va lui faire le plus grand bien. Eugénie, des œufs. Tu penseras à moi, Swan? Par contre, je pense que tu vas penser à toi-même hein, avec mes coquetiers. Alors, hein. Justement, Swan m'a offert aussi des coquetiers. Mais là, on est plus sur des sumos. Donc, je sais pas trop quoi en penser. Swan, tu veux dire quoi par là en fait? T'es en train de dire que je suis un sumo, c'est ça? Non, je dis que ça te correspond. Attention! Et que tu devrais pas manger trop d'œufs, sinon tu vas te transformer en sumo. Je te dis merci, mais en même temps, non merci là, fais gaffe hein! Mais attends, je t'ai pas offert de coquetier, il est où le deuxième? Attends. Eh, hey, mais attends, mais il est là! Oh! C'est un coquetier poule! Voici du coup les petites pattes de poule avec l'œuf. Et nous, sinon, tu veux sortir des coquetiers de sumo? Ah bah bien sûr! En vrai, ils sont jolis hein, mais. Si on représente, c'est ça? C'est ça, oui, ils te représentent. Attention hein! Donc voilà, c'est des sumo quoi! Ouais, des sumo! Rigole hein. Allez, c'est bon, cadeau numéro 2, tu vas souffler. Pour rester zen. Ah bah ça, on a bien besoin. Ah. Oh, c'est quoi? Oh, c'est un squishy. Oh, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop bien. J'adore quand on le voit, c'est trop marrant. En tout cas, c'est un bon casque de Mandalorian. Mais en fait, il est assez dur, c'est assez dur d'appuyer dessus. Ah, j'avoue, ça fait un anti-stress un peu pas aussi bien que le mien. Attends, ça va rendre si. Moi, c'est trop agréable. Bon, enfin, désolé, je pensais pas qu'il serait aussi dur, mais bon, ça fait un casque au moins. Ouais, c'est vrai que ça me fait un casque. Du coup les amis, on a déjà une petite boîte qui est vraiment très mignonne. Ah oui. Hop là, je sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire les amis. Mais ça se met dans ces boîtes là, je me rappelle j'en avais déjà mangé au restaurant. Mais voilà, c'est bien stylé et c'est très très agréable. Et là du coup on a le casque de Mandalorian, c'est vrai qu'il est un peu dur mais bon ça va, ça va. Oh attends Néo, passe-moi un de tes coquetiers sur moi. Je vais tester un truc. Non sérieux, non ça rentre pas Swan. Si Néo, si Néo ça rentre. Numéro 3, pour écrire avec style. T'es prêt mon gars? Ouais. Oh la dinguerie, Swan, regarde la trousse Sueo. Let's go. Donc moi j'ai la trousse Sueo et la légende de Mysteria. Exactement. Ouais, très belle. Donc ça c'est la trousse Sueo et Néo, les aventuriers du temps. Exact, du coup ce sont vraiment les trousses de nos BD. C'est ça. Ouais, elles sont méga stylées, moi perso j'adore le T-Rex toujours. Ouais, le T-Rex bien sûr. Attention, on va les ouvrir. Ouais, il y a quoi dedans? Oh, stylé Swan. Donc moi j'ai eu un Steve Wonderman et un Steve Alex. Et moi Steve et Creeper. En plus ils sont en bloc. C'est en pixel, c'est trop stylé. Ouais, c'est en pixel, c'est bien. 4, pour le ravitaillement. Oh, c'est Lunchbox. Ouais, c'est Lunchbox Pac-Man. Merci mon gars. Et Lunchbox Minecraft. Ah ouais, trop bien. Il y a quelque chose dedans. Ouais. Il y a une deuxième boîte à lunch. Une troisième. Non mais attends, c'est une blague, il troll là. Et là on a Pac-Man. Et voilà mon gars. Bien joué mon gars. Donc en gros, voici la Lunchbox Minecraft avec Steve, la TNT et le Creeper. Ils sont emblématiques de Minecraft. Donc voici tous les étages. En fait, le truc c'est qu'il y a énormément d'étages. Tu peux mettre plein de trucs dans cette lunchbox, c'est incroyable. Bien, cadeau numéro 5 pour une déco satisfaisante. Ouh, ça c'est bien. Let's go. C'est peut-être une lampe. Oh, c'est Attends, mais c'est pas une lampe. Tu vas être refait, ça me rend trop stylé. Regarde, une lavalampe. Par contre, Néo, du coup, ça c'est pas une lavalampe. Incroyable. C'est quoi, ça, du coup? Alors, c'est pas vraiment une lavalampe, mais ça marche un peu dans ce style-là. Tu vas c'est voir. C'est une water lamp. Ouais, tu vas voir, mais c'est bien stylé. En gros, c'est une flow lampe. Ouais, parce qu'en fait, je pense que ça coule et que ça remonte les objets intérieurs. Et de mon côté, une lavalampe bleue R2D2. Donc merci Swan, t'es le boss. 6 pour le gaming. Voilà Swan, c'est pas le français. Tu dis que tu prends ça un peu comme une insulte, il est coquetier sumo, mais je suis sûr que non. Pourquoi? Oh,
The One Piece is Will. Gros oh. Bête, ça c'est des tapis de souris. Ah ouais, trop stylé, j'avoue. Oh, tapis de souris Minecraft. Inside. Là, il y en a plein de différents. Je vais voir quoi. C'est la surprise en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, je pense que c'est quand même Studio Fi, non? Bah, on va ouvrir tout de suite pour voir. Hein. Oh, regarde. Moi. Ah, d'accord. Je crois que c'est plein d'illustrations. Oh, il y avait une araignée. Une araignée? Oh, ça va. Incroyable, regardez, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Coucou. Hop là. Enfin, j'avais juste l'araignée, je vous montre. Il se bataille vraiment contre une araignée, c'est abusé. C'est trop bien ça. T'as vu, t'es content? Ouais. Let's go. Voici du coup le tapis de souris. Bien stylé, avec plein d'illustrations différentes juste là. Non, il est incroyable. Hein. Franchement, regardez. C'est grave validé. Numéro 7. Pour un bureau stylé. Ça va être bien. Oh, ça va être quoi ça? Trop bien. Mario. Ça, c'est un cube de terre où tu mets des crayons et une plante. Regardez, c'est un pot à crayons, tuyau de Mario. Ça peut aussi être un pot à plantes. Oh, il est incroyable, regarde comme il est énorme. Ouais, alors, mais au secret, c'est un peu dur de sortir. Merci, mon frère. Et c'est à ça, mon frère. Et voici le bloc de Ouais, c'est trop bien. 8 pour un rangement stylé. Wow. C'est quoi ça? C'est un cadre? Oh, c'est Capsule Corps. Oh, c'est une macro aussi. C'est une box des capsules corps, trop stylé. Ouais, c'est trop bien. Tadam. Et voilà les amis, la capsule corp est terminée. Vas-y, c'est une présentation. La capsule corp. Non. Donc moi j'ai fini ma boîte Animal Crossing. Ouais, elle est très belle. Donc ici il y a toutes les saisons. Hiver, c'est mignon. Automne, été et le printemps hier. Et toi Léo? De mon côté, moi j'ai du coup ma box capsule corp DBZ qui est juste là. Méga stylé. Et on a ici des capsules. Donc franchement ça rend trop bien, elle est méga stylée. Cadeau numéro 9, pour décorer jusqu'au sol. A voir, ici. Ah, wow, ça a l'air de cadeau. Attends, c'est un méga tapis One Piece. Attends, c'est quoi tout ça? Wow, c'est quoi ça? Oh, c'est des Demon Slayer. Allez potes, je vois pas ce que je fais actuellement. Mais je crois qu'il y a un très beau dessin. Pareil, moi aussi je vois pas ce que je fais. Les amis, voici le poster des Demon Slayer. Bon alors j'ai pas vu ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y a Tanjiro, Nezuko, Inosuke, voilà, Zenitsu. Je vais le voir maintenant, c'est parti. Vous avez été les premiers à le voir. Je suis le deuxième. Ouais, méga moi aussi j'ai stylé. Vu, hein. Ah bah tu vas pouvoir nous présenter les personnages. Oh, il y en a tellement. Il y a qui du coup? D'accord, déjà il y a Pandaman, il y a Bunkei, il y a Sangoku, il y a Smoker, il y a Barbe Noire, il y a Garp, il y a Barbe Blanche en dessous, il y a Brook, il y a Baggy, il y a Travagario, il y a Usopp, il y a Ivankov, il y a Mihawk, il y a Doflamingo, il y a Franky. Il y a Chopper, il y a Sanji, il y a Zoro, il y a Luffy, il y a Robin et il y a Ace. Waouh! Ça fait beaucoup de persos! 10 pour tes chaussettes sales. Léo, c'est moi qui ai écrit ça. Oh, ok, j'ai compris. C'est une panière à rien sale. Ah, Léo, c'est une panière à rien sale, Mario! Wow, attends, mais c'est quoi ce délire? Léo. Je vais tester quelque chose. Alors, oui, ça fait aussi évidemment costume. Voilà. Ça va bien là, comme ça. Bon, t'es content en tout cas? Ouais, c'est trop bien! Yes. Ça sera parfait, Swan. Néo. Pour tous tes vêtements sales. Tout, Swan. Cadeau numéro 11. Pour être stylé même la nuit. Moi, je suis toujours stylé, Swan. Toi, t'es stylé, mais juste la nuit. Oh. C'est lourd. Oh, c'est des pyjamas. Ok, j'ai un pyjama creeper, les gars. Marvel. Oh, ça, c'est une combi. C'est une combi. Deadpool, ok, oh, ça change d'habitude, ça. Tu m'as pris plein de Minecraft. Et là, je crois que c'est Zelda, les amis. Ouais. Il y a énormément de Minecraft. Et ouais, les gars, le pyjama Zelda qui est juste là. Attends. Oh, bah oui, ça c'est. C'est un peignoir. C'est plus une combinaison quoi. Bah je vais appeler ça combi peignoir. C'est pas vraiment un peignoir ça, c'est un peignoir chauffant quoi, voilà, c'est pas pour sécher tu vois. Bah attends Léo, tu sais quoi je vais mettre? Quoi? Mais soit on est en plein été là, on a tous super chaud et lui il met un peignoir. Ah oh, c'est trop bien. Comment tu fais? Bah c'est simple, je suis frileux. Non mais là c'est pas frileux à ce niveau là, c'est pas possible. Bref les potes, regardez, on a ici un t-shirt, regarde Fun. C'est Link, Lou et Link. Ouais, c'est ça. On a aussi évidemment le pantalon qui est juste là. C'est un méga pyjama Minecraft. Ensuite, ok, donc ça aussi c'est un pyjama creeper. Les amis, ici on a un t-shirt Deadpool. Enfin, pyjama du coup, hein. Et le bas, juste ici. Donc, s'il y a un autre pyjama Minecraft avec des creepers. Je reçois plein de trucs avec des creepers en ce moment. Ouais, non, mais là c'est juste un bas Marvel. Ah, bah c'est bien. Ah, oui, mais j'avoue, oui. Bah, en vrai, c'est pratique parce que les potes. Ça, moi j'ai tellement chaud, je mets jamais de haut en fait. Donc, en vrai, c'est trop bien. Et là, on a un bas Minecraft Creeper. Pokémon. Allez, c'est parti, mon gars. Ok, attends, j'ai cité tout ce qu'il y a eu là. Là, devant. Whistempo, Evoli, Psychoquack, Onix, Togeki. Togepi. Ouais. Niviator, Carapus, Lucario, Ectoplasma, Rondoudou, Goopix, encore Machoke. Flamino. On fait. Et voilà, c'est bon, j'ai plus de bras, donc voilà. Il y a plein de Pokémon. Donc, ça, c'est un pyjama avec un Creeper et Alex. D'accord. Creeper et Alex. Ok, d'accord. Donc, maintenant, la liste.
Alors, pour être dans de beaux draps. Oh, c'est des nouveaux draps. Ah, je vois déjà le truc One Piece. Ah, c'est One Piece moi aussi. Ah non. Oh, la dinguerie. Tu reconnais les écritures là? Bah, c'est du japonais. Oh là, oh là, oh là, oh là, Muda, Muda, ah, Muda, oui, Muda. Ah oui, d'accord, c'est ah oui, c'est Muda, 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 Muda. D'accord. Oh, c'est des primes, des persos. C'est trop trop stylé. Les amis, je sais pas si on voit tout, c'est juste énorme. Ouais, c'est gigantesque. Donc, il est vraiment incroyable. Oh là là, c'est validé les amis. Hein. Je vais pouvoir arrêter le temps dans mon sommeil. C'est ça, ouais. Voici du coup le drap de Swan. Ouais, ouais. Hop là. Ah, je l'enlève. Pas trop tôt. Bah du coup, tu dois crever de chaud là-dedans. Non, c'est agréable. Bon, numéro 13. Eh ouais, maintenant j'ai froid. C'est un malade. Je garde quand même. Pour lire caché sous la couette. Ah, ça me correspond. Et une lampe creeper. Bah ouais. Je crois que c'est même un creeper chargé. Attends, on va l'ouvrir tout de suite, hein. Oui, moi c'est mieux. C'est un Mario style, ça. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, regardez les potes. Oula. C'est un piston. Ouais, c'est un piston. En fait, c'est un creeper chargé du coup. Tiens, regarde, ça marche. Et ouais, mon gars, t'as vu? Et là, il y a juste à l'allumer. Toi aussi, Swan. Ouais. It's me, Mario. Ouais. Enfin, Swan, c'est incroyable. Ça va être parfait. Pour lire en douce. Ouais, enfin pour toi ça va sûrement être le téléphone en douce. Hein. Cadeau numéro 14. Pour fureter la nuit dans la cuisine à la recherche de gâteaux, bonne rentrée. Non, non, bonne rentrée. Mais c'est pas bonne rentrée, c'est un peu. Joyeux Noël. Alors Néo, cadeau 1, pour faire plein d'énergie, pour rester zen, pour écrire avec Steve, pour ravitaillement, pour une déco. Allez, c'est bon. Bon du coup c'était pour fureter la nuit dans la cuisine à la recherche de gâteaux. Et effectivement le dernier message de fin c'est bonne rentrée qu'on vous dira après. Voilà. Oh. Joyeux Noël. Oh attends. C'est mieux, on peut mettre sur la tête. Il y a des bruits derrière des deux. Ça va, on a des belles têtes là. Ouais. Moi, les amis, en tout cas, c'est bien stylé. Ouais. Quand on mettra la pile, ça sera encore mieux. Mais franchement, pour moi, c'est validé. Bon, en tout cas, les amis, on espère que ça vous aura plu. Swan, t'as été méga gâté. Et moi bah aussi. Ouais. Merci, ça fait trop plaisir. Et en tout cas, Néo, ouais. Je pense que je vais utiliser tout ça pour la rentrée des classes. Même ça à l'école? Bah ouais, c'est sûr. Je crois qu'il y a un problème là. Bon, en tout cas, Swan, quel est ton cadeau préféré? En vrai, déjà j'adore ça. Ah c'est pas facile. Bon. Alors en vrai, moi je pense que mon préféré c'est celui-là quand même. Vraiment? Et de ton côté, mon préféré c'est celui-là. De ton côté. Attention hein. Moi de mon côté, mon préféré c'est évidemment le Jojo bizarre. Juste là, il est trop stylé. Ouais. Et franchement, bon en fait j'ai quasiment tout aimé hein. Et puis aussi le tapis de Monster, incroyable. En tout cas les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. On vous souhaite une bonne rentrée et force pour la suite. Ouais. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Et à la prochaine, salut à tous. Bonne rentrée.